Madame, Monsieur, bonsoir. Bienvenue sur Canal Algérie dans votre émission de divertissement, de variété, de musique, playlist. Je suis ravie de vous accueillir et de vous retrouver après une très très longue absence, bien malgré nous. Ce soir, nous allons vous proposer playlist live avec un invité qui a accepté notre invitation. C'est un artiste complet. Il est auteur, compositeur et interprète. Il a son genre à lui, il a son style à lui, il a le groove dans le sang. C'est le plus africain des Algériens, j'ai nommé Jam, Ahmed Jamil Rouli alias Zdeldel est parmi nous et il commence avec sa playlist live ce soir sur notre plateau. Il commence avec sa première chanson, son premier titre, Ntim Hania, une très très belle reprise du regretté Lhaj Lhashmi Gerwebi, revisité, et c'est tout de suite, let's go. لها تهويل برياح تيها نشعلة ما تطفيها بحور ومطارها طيلة تركتني بالهيب حرها سايفاي عدم الصبر جسمي صار نحيل ورد الفراق دهلة داتي كامل خيال ولا تنحيلة غزالي تايها روفي روفي لا شد الجفا عفي على الخليل ملك على الرصام جفلة يا شهلة العيون غديت فضيلة يطفي ناري واش يداوي جسمي العليل من هاد المحنة الهيلة من تقلية وشر بالفضح فيلة قال لي عن بالك يا عشيق شرب كيسان من بها خمرت قليل وقطع بالشفال معسلة وسط نشط من ورود الخدود حتيلة قولوا الغزالي تايها روفي روفي لا شد الجفا عفي على الخليل ملك على الرصام جفلة يا شهلة العيون غوتي تفضيلة وقولوا الغزالي تايها روفي روفي لا شد الجفا عفي على الخليل ملك على الرصام جفلة يا شهلة العيون غوتي تفضيلة مسرورة في غاية زهو وانا في تهويل قليتي ذاتي مهولة انتاقي عفو يا الصورة الجميلة وحرام عليك يا الصورة الجميلة وحرام عليك يا الصورة الجميلة وحرام عليك يا الصورة الجميلة وقولوا الغزالي تايها روفي روفي لا شد الجفا
في الخليل ملك الرسام جفلة يا شالة العيون وتيت فضيلة وحرام عليك يا صورة الجميلة 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 ونار جمار الحب شعلة ذهب صني مهجتي ملها تهويل يحتيها نشعلة ما تفيها بحور ومطر هطيلة وتركتني بلهيب حرها ساهي فاهي عدم صبر جسمي صار نحيل بالفرق دهلة ناتي كما الخيال ولات نحيلة أو حرام عليك يا صورة الجميلة وحرام عليك يا صورة الجميلة حرام عليك يا صورة الجميلة كنت عاشق كنت عاشق ومدخل الحضرة كنت عاشق ومدخل الحضرة كنت عاشق شرب مو حقيقة اشرب مو حقيقة واستغنى من البوشرة اشرب مو حقيقة واستغنى من البوشرة اشرب مو حقيقة Première question, comment vas-tu? Ça va, on fait aller. Ça se passe bien. Ouais, ça se passe bien tant qu'on la vie reprend petit à petit et avec le confinement. C'est pas évident. On vit avec la musique, donc voilà. Aujourd'hui, je suis très contente de partager ça avec mes amis. Et juste pour l'anecdote, je commence avec ça. Un jour avant le confinement, on a lancé le clip de Intim Hania. Oui. Donc on a fait un petit événement où j'ai invité mes amis pour faire une version. Chabi authentique pour la sortie de cette chanson. Et là, après le confinement, c'est-à-dire on se revoit juste après avec la même équipe. Donc voilà, je suis très content d'être avec eux. Et ça nous fait plaisir. Merci à vous, les équipes Project Bad, bravo. Merci encore une fois. Et merci à toi, Jamil, d'avoir accepté notre invitation. C'est un plaisir, depuis le temps. Et depuis on devait le faire avec Intim Hania, avec la sortie d'Intim Hania. C'est vrai. Bon, malheureusement, ça ne s'est pas fait, mais on le fait aujourd'hui en live. En live en plus. Ouais. Alors, raconte-moi tout, Intim Hania. Alors, Intim Hania, ton projet, quand, où, comment? Il fait partie, c'est un titre qui fait partie de mon album et c'était le dernier clip après le lancement d'album. Mm-hmm. Donc, c'est une chanson qui me parlait beaucoup et surtout les paroles, la profondeur des paroles de cette chanson. Donc, j'ai fait une version un peu atmosphérique, un peu spécial, avec la clarinette et tout. Il y a eu un réalisateur algérien qui s'appelle Salah Issaed, qui a écouté la chanson et surtout qui a compris un peu les paroles quand on a parlé un peu. Il me dit, ouais, écoute, est-ce que tu veux il que est francophone, fasse... c'est-à-dire qu'il ne parle pas arabe, voilà. Lui, non, si, il parle arabe, mais à la belle que c'est compliqué, les textes à Chabi, donc il y a trop de quand même bzaf le maani derrière et tout. Mm-hmm. Donc, surtout, Intim Hania, c'est un texte très, très, très profond. Et donc, quand on a parlé des paroles, il m'a déjà fait deux clips auparavant. D'accord. Donc, par contre, le clip, j'ai envie de le faire. Je te fais juste un plan serré, et le reste, je le fais. Je te donne le clip, s'il te plaît.
Allah Mabarak, s'il ne te plaît pas, on ne le sort pas. Et donc, quand j'ai reçu le résultat, c'est-à-dire le premier export, ouais, c'était... C'est un plan séquence, un petit court-métrage. Un plan séquence super artistique, avec, avec un étalonnage assez spécial. Et on dirait qu'on est dans un film et tout. Donc, je suis très, très fier et je remercie Salah Issaad pour ce travail magnifique. Bravo, Issaad. Et moi, ce que j'adore, c'est la clarinette. Il y a un effet, mais très, très spécial par rapport à la musique. Ouais, et ça me touche. Cette version, je suis pas du tout chabi, je ne mens pas, je vais pas mentir. Donc Tim Hemenia, ta version à toi me touche aujourd'hui. Voilà. Ah ben merci. Tout simplement, et je tenais à te le dire ce soir. Shukran, shukran. En tout cas, c'est un plaisir de te recevoir. Ah, en tout cas, on va aussi parler de la Qaada Chabi que tu as préparée. C'était chez Brocart. C'était chez Ngarida. Ouais, voilà, c'était la sortie de ce clip le 12 mars. Exactement. C'était juste avant qu'on soit confiné chacun chez lui. Limite. Donc ouais, c'était un endroit où, quand je suis rentré chez Brocart, j'ai senti qu'il y avait une énergie déjà à la Naf Zahir, la Naf Didouch Mourad, le carrelage de Abkeri. Donc, même le décor, ultimement, il y avait plein de couleurs, plein de positivité. Donc, c'est l'ambiance intimiste que tu voulais. Et c'était deux jours avant, j'ai dit à comment elle s'appelle, Hania, j'ai dit, écoute, est-ce qu'on peut faire un événement ici? Elle me dit, quel genre d'événement? Je dis, écoute, orchestre Chabi. Qatli à fond. Et donc, c'était comme un ars. Même maman, elle était là. Tout le monde était là. La presse était là. Les amis étaient là. Les amis, les artistes, ils étaient là. Ils ont joué le jeu. On a dit, Beldi Chabi. Beldi Chabi. Alors, j'ai dit, le sucre. Tu as dit, le sucre. Quel est le jambe à Al-Bukharaj? Quel est le jambe à la taille? Quel est le jambe à. Ou le mec, il a été garanti, il a été garanti. C'est magnifique. Je suis un. Donc, c'était vraiment Qada Beldi. Où ils ont joué le jeu. Zaki, il est venu avec sa femme. Le bst le haïk ou le tchonga. Donc, tout le monde a joué le jeu. Et on a gardé vraiment de très, très. Très bons souvenirs. Ouais, les souvenirs, c'était cool. Après le confinement, je crois que ça nous a réconforté un peu, que je fais les moments juste après. Et je remercie Gal et les amis Lidja où ils ont joué le jeu. Ouais. Bah, bravo. Alors, dis-moi tout, pendant le confinement, ça t'a permis d'avancer, de créer aussi, tu t'es pas arrêté. Si, si. De te rassembler aussi avec les artistes, mais d'une autre manière. C'est ça. Moi, je me suis dit, généralement pour les artistes, ça n'a pas changé grand-chose quand on parle de créativité ou travail chez soi ou préparer quelque chose. Sauf qu'il n'y a pas le contact avec les musiciens. On a travaillé à distance. On a eu plusieurs projets. Déjà, moi, j'ai commencé avec un projet qui était un peu méditerranéen entre les Algériens en France et les Algériens en Algérie. Et du coup, j'ai travaillé avec le groupe Zibda. Avec Hakim et Mousse. Et la chanson s'appelle « Loin de ses proches ». Tu peux me donner un petit refrain ?« Loin de ses proches ». En acapella. Alors, Asnay, je dis d'Algonéani, si t'as joué. Juste le refrain. Asnay. Si t'y arrives. Le refrain, je me dis... Oui, et après, ça, comment ça a fonctionné? Explique-moi. Les artistes sont d'autre côté. Il y en a un qui était à Toulouse, l'autre je ne sais où, à Marseille, je pense. Les deux frères, ils étaient à Toulouse. Les arrangements, c'était Abdelhat qui était à Didouche Mourad aussi. D'accord. Donc c'était un travail qui est venu. Vraiment avec de la bonne énergie. Donc, pour encourager le public, les soutenir, être là, présent. Exactement. Et surtout que le titre de la chanson, c'est « Loin de ses proches ». Donc, Anna Andikouya, il est en France. Timo, ma sœur aussi. Anna, je suis avec Timo, si tu Timo, nous vois ce soir. Ça fait plus de 4 mois. Ouais. Et du coup, Anna, ma maman, donc ça m'a touché directement. Anna, j'ai fait un peu la musique au début. J'envoie la maquette à Mousse et Hakim. Ils m'envoient le refrain, loin de ses proches. Le soir même, je fais mon couplet avec un deuxième refrain et j'envoie Abdelhaté, il fait le son. Donc c'était Jet Hag, d'Akrfif Dref ou Ma'naoui. Très bien. Et bien sûr, ça parle de. Tu rappelles que le moment où le confinement, il était un peu. Sur le frère, je suis un nas. Il était un peu dur. Il touche Hbab ou il touche Sahab ou il touche la famille. Donc c'était un peu un réconfort, encore une fois. Alors, pour ton deuxième titre que tu m'as proposé Habiba. Ah. L'un des titres qui existe avec, bien sûr, ton album Hashtag Zdeldel, qui est sorti en 2017-2018. Fin 2018, oui. Voilà, fin 2018. Donc, Habiba, pourquoi tu tenais à reprendre Habiba? Aujourd'hui aussi, c'est une Qaada Chabi. Oui, déjà parce que c'est une Qaada Chabi et Ce titre, il est chanté dans un mode qui se rapproche beaucoup des modes africains. D'accord. C'est-à-dire du mode dorien.
Donc ça veut dire les vibes que je pouvais chanter la chanson Habiba en gardant l'esprit vraiment de la chanson, l'interprétation originale de cette chanson par Al-Qoubi Abdelrahman Cheikhna. Donc là, je suis à un groupe africain derrière et quelques vibes à la fin, vraiment africaines, mais qui passent exactement comme tu fais la version Abdelrahman. C'est un peu lourd, Al-Qoubi, après là, il ramène les mêmes vibes, du coup c'est très très africain. Donc voilà, je me suis motivé, je me suis dit c'est le titre Chabi que je dois mettre dans mon album qui est un album très très africain. C'est vrai. Et puis tenez que les paroles de cette chanson Habiba, quand on parle de Habiba, mais ça parle d'autre chose. Il est comme très mouchu. Voilà, allez, on y va. Je te propose d'aller sur scène et de nous chanter Habiba. عجيب عالجيني برضاك روح راحتي حبيبة ولامتي لك عندي محبوب عندي محبوب يا هلي ريت الحب صعيب والمحبة فيها العاشقين كل نصيبة والهوى معدن كل كروب وينزل عالجبال تريب والصلاة نتخضع الجلال توب كله هيبة والغالب يتحم غلوب سلني نعطيك تجريب يا اللي ما دبتي الهوى وما ديتي طيبة ولا ضحيتي مني منشوب ما كواتك في الخد الهيب نار حمرا ما تفي حرها مطار سكيبة يا ردها من القلوب ويا اللي زينك زين عجيب عالجيني برضاك روح راحتي حبيبة ولا مثيلك عندي محبوب عندي محبوب يوم شفتك وليت نجيب شفت فيك الحسن والقبول والحياة والطيبة والوقر والسر المطلوب باهية عذرة في تحجيب رايقة وظريفة مسرارة الحروف ديبة صايلة بطبع الما يدوب حجبة ما ترضى يبعيب ربنا يحضيك ويرعى بهاك يا لجيبة ياللي فنجيك المرغوب وياللي زينك زين عجيب عالجيني برضاك روح راحتي حبيبة ولامتي لك عندي محبوب فاقد الحبيب فاقديني تسهل مع الوصال كل صعيبة غير هذا المرة وانتوب حين نجي نحضر ونغيب عشرة من يوم نشوفك في بساط وجيبة والشمع في الحسكة تدوب المشرى المراشات وعود وطيب والمطارق من حومية وعتقة وصيبة المدام مكبوب ومشروب
ليك نهدي ذاتي ونهيك حين تهدي كاسك وتنمي الشفار هديبة ألا لا عبيدك مكسوب يا اللي زينك زين عجيب عالجيني برضاك روح راحتي حبيبة ولا مثيلك عندي محبوب كاسكا ليك نهدي ذاتي ونهيب حين تهدي كاسك وتنمي الشفار هبيبة لا لا عبيدك مكسوب ويا اللي زينك زين عجيب عالجيني برضاك روح راحتي حبيبة لمتي لك عندي محبوب يا اللي زينك زين عجيب عالجيني برضاك روح راحتي حبيبة لمتي لك عندي محبوب يا شيخ فاقديني تسهل مع الوصال كل صعيبة غير هذه المرة ونتوب حين تجي نحضر ونغيب أشهر من يوم نشوفك في بساط وجيبة والشمع في الحسكات يدوب يرحمك يا عمر والمرشة تعود وطيبة والمطارق من حومية وعتقة وصيبة الندم مكبوب ومشروب يا اللي زينك زين عجيب عالجيني برضاك روح راحتي حبيبة ولا مثيلك عندي محبوب ويا اللي زينك زين عجيب عالجيني برضاك روح راحتي حبيبة لمثيلك عندي جميل غولي على ستين فيرسيون شغل كنا في كشايفه قاعده تاع شعبي شغل رانا في العرس وي ان توكا ميرسي زكي يعطيك الصحه يعطيك الصحه زكي برافو سيتي كومبليكي اون لو سونتي باسكو il a eu à peine 24 heures de répétition je sais que c'est pas évident c'est pas sa chanson ouais, il y a pas l'habitude on voulait faire un peu une version un peu plus spontanée kima fi chaabi sans faire زعما دخلات وخرجات وكذا قال justement le chaabi quand est-ce que ça a commencé avec toi? Ah, c'est la Jouzi, moi. C'est ma mère qui m'a dit qu'elle s'est 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 عمير دوان الله يرحمه عمير دوان دونك سي كان جاري في رويبه واحد الوقت كنت نسكن تما هو كان يلعب جيتاره ويلعب شعبي وكان مع عبد المجيد مسكود ثاني ربي يطول في عمره دونك كان يسكن تحتنا
وانا كانت عندي جيتار على ليبوك جافي 12 ans ما نعرفش نرجليها كان هو كي يرجليها نسمعو يبدا يلعب عنده نقول له عمي رضوان رجلي لي جيتاره ويبدا يلعب ويقول لي اسمع برك ما تلعبش قول ماما مازال باش تلعب ما كنتش نعرف يقول لي اسمع وانا كنت نقعد نسمع 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 دوك دخلت في هذاك لو مونتاع الشعبي نطلع نزيد القايمه في الدار تسمع تقول لي هذه نعرفها وتقول لي كاع الكلام حافظه الديوان وكذا وكلش دوك ربي يرحمه عمي رضوان سيتي اون انسبيراسيون سي الحق شغل جوسكا ماتنو مازال لي سونوريتي هذوك مازالوا يدوروا في راسي وكي لا دنيا فخرج الالبوم تاتا فورجي جي انفيتي وي بيان سور شغل عباك سي لاباس تاع الشعبي سي تري ميلوديك وشغل فيها واحد لا سبيريتواليتي كوميم تري تري امبورتونت ونهار خرج الالبوم لو 14 novembre 2018. Donc j'ai invité mon invité d'honneur, c'était Abdelmajid Mouskoud. Ouais. Et donc Jin, il est venu, je le chérifna, même il a fait un istikhbar où on a rendu hommage à Ami Erdouane Ben El-Jouzi. D'accord, ok. Alors dis-moi tout maintenant par rapport aux Chabi et tes albums. Est-ce que tu comptes encore une fois reprendre des reprises? C'est important pour toi de mettre des reprises comme ça de Chabi, du répertoire Chabi? C'est هي على بالك كوم داخله في باتريمون في باتريمون وتمام في التربيه ديالنا وكبرنا بالشعبي وكذا جو بونس كو توجور جوري هذيك لو بتي لوماج اللي لازم نديرو في ان البوم ولا مي جو بونس ميم بتيتر جو كونت بالك فيغ ان بتي البوم هكذا اوماج باسكو على بالك بدات حلالي مع الجماعه جوستومون يعطوك واحد الانرجي شابه وسيرتو كو شغل جو بونس كحنايا في الجزائر في العاصمه شو سي كلك شوز كو شغل سكو سوا في العراس ولا في القعدات وكذا الشعبي صافي بارتي دو نو صافي بارتي دو فوتر ايدوكاسيون فوالا اكزاكتومون سي سا داكوغ الوغ اون فا بارلي دو تون البوم دو تون بروشان البوم سا ايت كوا مون بروشان البوم وي الوغ بور المومون سي با ان البوم داكوغ سي دي سينجل سي جوست سي دي سينجل وا كو جو سوي ان تران دو بوفيني بتيت ا بتي هم خرجوا ديجا زوج كاين La nouvelle chanson qui est sortie dernièrement et tout, on va en parler, je sais. Toujours et des hommages? Pas forcément. Kane des hommages et Kane aussi de la recherche. Ok. J'essaie de toucher à des terrains un peu où je suis pas très, c'est-à-dire j'ai pas l'habitude d'explorer. Uh-huh. Et ça c'est grâce au confinement. Bien Mais sûr. on a eu le temps de tester, de tester plusieurs univers que je n'ai pas l'habitude de... Et avec par exemple, qui tu es en train de travailler? Avec une collègue, bon, collègue qui travaille avec moi, on a fait musicologie à Paris ensemble, qui s'appelle Christine Zaid, c'est Yam Falastine, d'origine palestinienne, et donc elle joue au Qanoun, elle chante très très bien, et je lui ai proposé une chanson en arabe, Al-Fusha. Ok. Je pense que la prochaine émission, Inch'Allah, je viendrai avec ce titre parce qu'il est assez spécial. Il est spécial, comme toi. Très, très spécial. Alors, Jamy, je te propose tout de suite de me chanter ta version de Braya. Tu me l'as dit, je vais te la faire en version... Exactement. Araï. En tout cas, une version entre le Chabi et un peu Araï, ouais. D'accord, ok. Ouais. Bah, en tout cas, vous allez voir, vous allez écouter. On t'écoute. Ou ok. سلام عليكم مال حباب لحقتني بريام تحت الباب شكون بعدها لي لا حباب لا ولي لا صحاب بدو سنين ملحقني جواب ولا حد سلالي سلام عليكم مالحباب لحقتني بريام تحت الباب شكون بعدها لي لا حباب لا ولي لا صحاب بدو سنين ملحقني جواب ولا حد سلالي هادي ما تكون غير هي ديك البنية شكون قال بالك انتي طاحوا عينيها في عينيا عينيها سود هي خمرية شعرها خوة تنده بيها بصح أنا يا مديواسي بلك شايفها في منامي ولا نعاسي مادام الرقاد حاكم فيها وحاب نسقسيكم يا أحباب لحقتني بريام تحت الباب شكون بعتها لي
كيكون اوردر الخدمه وطنيه قالوا لي ولاد حمتي القديمه جازوا ديجا يحوسوا عليا ايماجيني تروحي بالبندقيه شفت روحي في بقعه خاليه بعيده صحراء بارده وجبال عاليه سعيده بلا زيرو وشاشيه وانا تاع راسي مخلوي يوم لي زنبور يا حي مضروب الراس كان جاوي عقلي اسطون بوهليا وحاب نسقسيكم يا احباب لحقتني بريام تحت الباب شكون معتها لي وسوس ونقول شكون قادرة تكون وتشي ما جابين عينيا غرتني الدنيا وما فرحتها بخبر سامحيني يا يما هاد الزمان غدار فرقنا يا معيني عمري في يدي ويدي على قلبي نار عيني يا سالو دمعات غزار وحشمي امتي هجالي وحاب سقسيكم يا احباب لحقتني بريام تحت الباب شكون بعتها لي وحاب سقسيكم يا احباب لحقتني بريام تحت الباب شكون بعتها لي شكون قادرة تكون هادي بالك الخمرية شكون قادرة تكون ولا بالك ميمتي شكون قادرة تكون هادي بالك الشهرية شكون قادرة تكون وانا جامي خدمت في حياتي شكون قادرة تكون والخدمة الوطنية شكون قادرة تكون ولا فاتورة كريسيتي شكون قادرة تكون هادي بالك الشهرية شكون قادرة تكون وانا جامي خدمت في حياتي شكون قادرة تكون هادي بالك الخمرية شكون قادرة تكون ولا بالك امي انتي شكون قادرة تكون الخدمة الوطنية شكون قادرة تكون ولا فاتورة في سيدي شكون قادرة تكون هادي بالك الشهرية شكون قادرة تكون وانا جامي خدمت في حياتي شكون قادرة تكون هادي بالك الخمرية شكون قادرة تكون ولا بالك مهمتي ايوا شكون قادرة تكون شكون قادرة تكون من الله غير هادي من عند من il faut regarder le clip. C'est un clip réalisé par Mehdi Lafifi. Réalisé par Mehdi Lafifi et l'équipe de Caravan Factory aussi. Ok. C'était une belle expérience aussi. Avec Lilia Yahyaoui dans le clip. Lilia Bouhiaoui, exactement. Bouhiaoui, ouais, voilà. Elle a joué الخمريه الخمريه يا ما عندهاش لي جو بوكلي بصح سينا نديرو لها لي جو ما حكموش على بالك زعما ما حبش يشدها فانك تشوف زعما مي الا بيان الا بيان جوي الرول نو سافا سا سي بيان باسي دون الكليب اي مانيفيك ان توكا شابو الوغ اون بارل دو تون كو دو كار جام وي جو تافي دماندي de me proposer ton coup de cœur, ton artiste coup de cœur ce soir. C'était un peu l'évidence en fait, c'était évident parce que ces derniers temps, juste avant le confinement et tout, donc je me suis retrouvé travailler et côtoyer un ami à moi depuis très très longtemps, mais on a commencé à travailler ensemble depuis le temps, on dit là, kif. Donc il est là, il est parmi nous, c'est Zaki Mehoubi. Voilà, Zaki Mehoubi, on y va, allez, Zaki Mehoubi, voilà. Il y a un jingle, mais on te laisse arriver directement. Vas-y. Allez. Thank you.
Voilà, il est là parmi nous, Zeki Mehoubi, Zeki Project. Bonsoir et bienvenue. Bonsoir. Merci d'avoir accepté notre invitation et l'invitation de Jamil. Plutôt ça. Comment vas-tu? Après votre invitation. Bien sûr. Et d'abord son invitation. D'abord son invitation, ouais. Bien sûr, puisque tu es son invité ce soir. Ça fait plaisir. Alors, raconte-moi tout, comment vas-tu? Oui, très bien, alhamdoulilah. Ça se passe bien. Super bien, super bien. Avec Jam, ces derniers temps, on se voit pour faire quelque chose de très, très sérieux qui nous tenait à cœur depuis le temps. Et puis, bon, lui, il a le génie de faire les choses vite et bien. D'accord. Et il dit, voilà, tant qu'on est chaud, qu'est-ce que tu fais? Bon, tu es motivé. Parce qu'il a ce mot qui revient toujours, de, du coup, on est motivé. Quand on est avec lui, on est motivé. C'est spécial avec lui. Il est très spécial. Tu m'as dit tout à l'heure dans les coulisses. Lirouleilindera. Bah oui, je suis obligé. Surtout quand il s'agit d'un choix artistique ou Alidalo. Donc, d'accord. Je suis là que pour. Mais c'est ton ami. J'essaie de l'embêter un peu. C'est ton ami avant d'être ton collègue. Oui. Ouais. Dans le monde, c'est ça. Je crois que pour les gens qui n'ont pas vu le clip, s'ils le voient, je crois qu'ils peuvent ressentir. C'est assez évident comme il le dit. Alors, il est en train de. Zeki est en train de parler d'un clip. On l'a pas encore présenté. On n'en a pas encore parlé. C'est Nada. On en parle ce soir. C'est un spoil. C'est une exclusivité sur Canal Algérie. Nous avons l'honneur de passer en exclusivité, le dernier clip de Jam feat Zeki Mehoubi, bien sûr. Nada, on en parle ce soir. Qui commence? Jamil? Alors, Nada, c'est un coup de cœur. C'est un vrai coup de cœur parce que ces derniers temps, j'ai beaucoup voyagé, notamment au Maroc. J'ai fait plein de festivals là-bas et j'ai rencontré un artiste exceptionnel qui s'appelle Mohamed Djibara. On a fait une chanson ensemble, donc c'était une très belle exercice. Ouais. Et à un moment, il me dit, je vais te faire découvrir un endroit paradisiaque. D'accord. Donc, Rahna avec l'équipe et tout, Sma Paradise Valley, fait Agadir. Donc, on part et tout, et c'était vraiment le paradis. Le khalwi tma exceptionnel. Et il y a eu un moment, il a pris la guitare, il a commencé à chanter. C'était vraiment un coup de cœur. Je lui ai dit, un jour, je vais reprendre cette chanson. Lui, il a déjà repris cette chanson d'un chanteur, Mohamed Rai, c'est ça, Zeki? Mohamed Rai. Quand on a fait les recherches, donc on a trouvé que cette chanson, elle existe depuis longtemps. Et lui, il l'a réadaptée à sa façon. Et nous, on a, avec Zeki, on a réadapté la chanson encore une fois. Et c'était vraiment... une histoire très, très spéciale parce que l'Itma Khan déjà Kastini qui est Jamaya Djbarahna pour faire le clip. Donc on va chez Omar, notre ami, l'ami, meilleur ami de. Omar, ça fait partie de la famille. Lui, c'est le directeur artistique de Zeki Project et c'est mon meilleur ami. Et comme il adore Jam, donc une partie du clip c'était chez lui, c'est vrai. Il a été tourné chez la maison d'Omar. Ouais, qui est dans les coulisses. Et là, Omar, il est juste à côté. Donc Zeki, donc il reçoit avec Omar Mohamed Djbara chez lui. Donc il y a eu une vraie connexion. Vraiment humainement, il est exceptionnel, Djbara. Donc là, c'était évident et on s'est retrouvé à chanter une chanson qui s'appelle Nada. Bon, on a mis Nada et à la base, c'est Matsalounich. Voilà. D'accord. Alors écoutez, on va regarder le clip en exclusivité sur Canal Algérie. Okay. Dans Playlist Live, on y va.
Le dernier titre de Jam et Zaki Mihoubi en exclusivité sur Canal Algérie et dans Playlist. Alors on y va les garçons, on va parler de Nada. Avec déjà le fait de la réécouter avec d'ailleurs Mazaki, avec toutes les places exceptionnel. Énorme, et le son, sur Canal Algérie, t'as vu comment ça sonne. Et là, je profite pour féliciter et remercier Abdelatif Ben Jbari qui est juste derrière, il est en train de faire c'est le l'ingénieur son. C'est lui qui a fait ce son, donc il a fait un peu à sa sauce. Et moi, je me permets de dire qu'il a inventé. Hein. Ouais, franchement. C'est simple. Il a donné une autre dimension à la chanson, parce que là, c'est un peu électro-trap, avec un gros son derrière. Et ces derniers temps, je me retrouve à travailler beaucoup avec Abdelatif. Il y a une vraie connexion avec lui. Donc, il fait un travail exceptionnel. Franchement, je le remercie pour le son Hada, pour le son Passer les frontières avec Zebda. Donc, c'est loin d'accord de ses proches. Aussi, ouais. Et le mix des derniers morceaux, les Dertom Manaya. Et aussi, le clip qui a été réalisé, fait par Snake. Ouais. Qui s'appelle Amin, donc c'est notre ami, c'est un artiste. Donc, Il est original ce clip. Super original. Donc, il est à la verticale. Verticale, ouais. C'est format téléphone un peu, verticale. Donc c'est un choix. C'est un choix, c'est le choix de Snake, de Amin. Et c'est Khalek Mokbel motivé. Donc, Jazandi Amin, depuis tant on voulait se voir. Jazandi, je fais écouter la chanson, est-ce que tu as fait un clip? Non, pas encore, on est en train de chercher, de réfléchir. Allez, viens, on fait un clip. Quand on a dit qu'il m'a mal à la balouche, allez, appelle-le, chouf, il est motivé, point d'interrogation. Allez, où est-ce qu'il y a un technique? Où est-ce qu'il y a un technique? Quand on lui écoute, est-ce que tu peux venir? Quand on lui dit, c'est un clip, je l'envoie dessiner, il cordial, que ma cache, ma styliste. Donc, c'est ton idée? Non, c'est l'édit de Taosmo. Donc, Anna, je transmets à Zaki. Il vient, Anna Kotbalak, qui dit dans deux heures, je pense, une demi-heure après, il débarque. C'est quoi, c'est des lettres? 25 minutes. C'est des lettres? Ouais, c'est de la calligraphie. Calligraphie. À la façon de Snake. De Snake. Kronalo, ça veut dire quoi et tout. Donc, Kronalo, c'est juste. Une calligraphie, fait, calligraphie spéciale à lui, en fait. Et lui, on le retrouve un peu partout. Les rues d'Alger et tout, t'as vu, il a dessiné un peu partout. Et il lui restait les cours de Jam et de Zach. Donc, voilà, j'ai des toiles. Il s'exprime, C'est Snake qui s'exprime. Alors, et dis-moi, et les arrangements, donc c'est Abdelatif. Donc, les arrangements, le mix et mastering, donc c'est Abdelatif Ben Jbari. Et c'est toi qui as fait la réadaptation. Eh ouais, j'ai fait la réadaptation. Du texte. Donc, pas le texte, mais la musique. Donc, moi, je l'ai réadapté, je l'ai réarrangé. Et puis, tout l'habillage, le design sonore. OK. Donc, et l'arrangement, bien sûr, c'était Abdelatif Ben Jbari. D'accord. Une chanson rail, pourquoi rail? Pourquoi avoir décidé de chanter du rail? On n'a pas décidé, Oula, c'est venu. C'est venu comme ça. Oula, c'est venu comme ça. Zaki? En fait, la veille, il était en train de bricoler chez lui. Il a fait un live Instagram. Il a lancé le son qu'il avait fait lui-même. Il a commencé à freestyler. Il chantait, moi, je regardais. J'aime beaucoup quand il s'essaye à autre chose. Et je me suis dit, Hadi, c'est une vieille chanson de Hassani, je suis sûr. Après, il m'appelle, il me dit ça. Dis sur ce morceau-là. Je lui dis, oui, j'arrive. Je pars. 25 minutes. J'arrive. Chez lui, d'accord. J'arrive chez lui. On a commencé à faire les essais avec Abdelatif, comme il a une culture extraordinaire de la musique, donc il connaît. On était dans une période années 90. Je lui dis, cette chanson, Hadi, la DND, elle a soit Ansaro, soit Hesni, soit, je sais pas, Zahouani, il y a un truc Tana. Ok. Ah, je lui dis, à mon avis, c'est bien de la colorer un peu vraiment Tawana, sur l'Ouharani, quoi. Et finalement, je crois que c'était le meilleur choix à faire parce que lui aussi, il a fait ça sans effort. Il a commencé à chanter, on a fait des échauffements. Franchement, je ne sais pas si... Le titre, Nada. Nada, oui. Le choix, comment s'est fait le choix, Nada. Ah, il faut lui demander à Louis. Pendant l'enregistrement, on a dit un mot. Parce que Fournia est très... C'est ta signature, t'aimes bien ça. On a dit Abdelatif, on a testé ça. On a enregistré, c'est Nada. On a dit franchement, c'est rien à la chance. Donc, quand on voulait mettre les crédits ou quoi que ce soit, j'ai écrit « Matsalouni, je m'abrite de vous » et puis Zaki me dit « Semmiha Nada ». Je lui ai dit « Les Nada, tu as dit « Zahir Gaï » Non, c'est Nada, Nada. Ils pensaient, les gens pensaient qu'on chantait Nada. Ouais, c'est vrai. Mais il faut l'écouter, c'est vrai. Si on le lit comme ça, Nada, on va dire c'est Nada. C'est vrai, mais c'est Nada. C'est Nada. Walou. OK, alors, Zaki Mihoubi, Zaki Project. Oui. Dis-moi tout, raconte-moi tout. T'en es où aujourd'hui? Moi,
T'en es où aujourd'hui? Moi, j'en suis où? Bah, je viens de finir un single avec Jam. J'ai pris un malin plaisir à le faire. Mm-hmm. Ah oui, je tenais particulièrement à le dédier à mon père. Il est mort il y a deux semaines, quelque chose comme ça. Il n'y a pas longtemps, oui. Voilà, donc je remercie aussi Jamil et Abdelhati qui ont tout fait pour me sortir un peu de... C'est pas évident de perdre son papa. Je ne savais pas à quoi ça ressemblait jusqu'au moment où c'est arrivé. Heureusement que Jam était là, et il a laissé à peu près la marge addict à l'E2 et tout. Il m'a dit, Zaki, il faut que tu t'occupes l'esprit avec quelque chose que tu aimes. Oui. Et je crois qu'il a super bien fait de m'avoir... un peu poussé à travailler. Il t'a boosté très gentiment, motivé bien sûr. Motivé. Et voilà, donc ce titre, je lui dédie à lui, vraiment. Nada. Parce qu'il lui, ressemble comme par hasard à mon père qui ressemble lui aussi au titre. Voilà. La yirhmou, la yirhmou. Alors Zaki, dis-moi, est-ce que tu es prêt à chanter ta reprise d'Amar Zahi? Oui, il faut qu'on rende hommage à Amar Zahi. On y va? Oui, sur scène? Bien sûr. Ketbet Likia? Ketbet Likia. C'est tout de suite dans Playlist Live. Allez-y. فرقوا حبيب ولا ولا لا ولا وضحى وحدو فريد يقاسي المحان باش النيران بركك لا تنوم كتبت ليك يومية ألف كيا محينك يا قلبي خليك لا تنوم غير نجري والدنيا صد عليا قلت يا غرا نغنم وبداوني الهموم غير نجري والدنيا صد عليا قلت يا غرا نغنم وبداوني الهموم وبداوني الهموم نهجر من سمحيني نار زادت لقلبي نار عالجمار قلبي نار عالجمار بار عقلي وخلى الهوى ديني ديني اللي نهواه زادني غيار اللي نبغي زادني غيار
كتبت لي والمحنة كي بدت بيا ضربت يدي وراني حسيتها اليوم كتبت لي والمحنة كي بدت بيا وبيا ضربت يدي وراني حسيتها اليوم جاية عالغفلة وبدت بشوية رايحة تقوى كي صلت عالمشوم جاية عالغفلة وبدت بشوية رايحة تقوى كي صلت عالمشوم كي صلت عالمشوم الهوى نشوات جوني والمنام حرمني كي سقتني المرار كي سقتني المرار عند روحي هادو علوم بدوني عند غيري صبحت مثل في الخبار صبحت مثل في الخبار قصد بجديد قريت وفهمت شوية والحروف تعيطها للنجوم قصد بجديد قريت وفهمت شوية والحروف تعيطها للنجوم عدت نحلم بيها معرفت واش بيا الفجر نسهر والليل ما نوم عدت نحلم بيها معرفت اش بيا الفجر نسهر والليل ما نوم والليل ما نوم كل عاشق عنده محنة تعذبو كل وردة فيها شوكة مسامية فيها شوكة مسامية عندهم ركب ركبوا ركبوا والقلوع ريفة ورياح قوية خوتي ورياح قوية ما طلبت الدنيا ما عطتني مزية في سحر رملة خلتني نعوم ما طلبت الدنيا ما عطتني مزية مزية في سحر رملة خلتني نعوم خفت من صدقاني واللوم كان فيا يا اهل الهوال وهم عني كتوم خفت من صدقاني واللوم كان فيا يا اهل الهوال وهم عني كتوم عني كتوم كتبت ليك يوم يتألف فيا وفيا محينك يزدل في البركة كلة نوم كتبت ليك يوم يتألف فيا وفيا محينك يا قلبي خليك لا تنوم غير نجري والدنيا صدى عليا قلت يا درا نهدر ومساوني لموم غير نجري والدنيا صدى عليا قلت يا درا نهجر ومساوني لموم عافاكم الله Zaki Mihoubi, كتبت لي كيا dans Playlist Live en compagnie bien sûr cette fois-ci de Jamil. والله غير يخلويني زكي انا على بالك والله غير فريمون ان توكا جو فودري اوسي رومارسي ليكيب اللي معانا هنايا على راسهم سي فو بلي خير الدين مؤذن وفيولون مؤذن وي عندنا سيلاس وبونجو وي اي الياس على دربوكا سي لو فرير دو سيلاس دونك راك حكمي لي دوز اكسترا ماك شايف اي تقاسي وي اي او بيركسيون اوسي اون فيصل غاوا تري بيان On a fait le tour, on voulait le faire à la fin, mais tu l'as fait maintenant et c'est tant mieux, il n'y a pas de souci. Impeccable. Non, mais je voulais juste me créer des problèmes avec eux, c'est tout. Voilà, c'est tout. Bien. Non, mais sérieux, je voulais particulièrement remercier Khedin Mouadil. En fait, il m'a tout appris. D'accord. Parce que le bandit, Bnatlio, mais ce qui va arriver bientôt pour une nouvelle chanson, c'est lui. Donc voilà. Et eux, c'est mes frères aussi, hein. Bien sûr, c'est mes frères. Et voilà. Et bien sûr, Jam. Et je voulais aussi rendre hommage à Amar Zahé. Je le fais tous les jours.
Aujourd'hui, je le voulais faire sur Canal et aussi à un grand monsieur de la chanson algérienne et maghrébine. Il s'appelle Mehboubati. C'est 3500 chansons, mais des tueries. C'est pas des chansons qu'on peut qualifier comme ça, de chansons nettes. Anna, je suis très pudique, Malhadra. Parce que je ne peux pas parler de la chanson nette. Ouais. C'est très réducteur. Moi, je dis, je profite de cette. De c'est ce un coup de gueule. Allez, c'est le coup de gueule de la chanson. Non, il n'y a pas de coup de gueule, franchement, qui m'appelle Mère Teresa. Quand vous voulez faire, je ne sais pas, quelque chose contre la guerre, ne m'appelez pas. Mais si vous voulez faire quelque chose pour la paix, je suis là. Moi aussi, au lieu de tirer sur des gens qui n'ont rien fait. Je dis juste, il y a des gens qui ont donné énormément à la musique algérienne et on les a oubliés. Oui. Mehboubati, je pense qu'on l'a oublié. Amar Zahi, on ne peut pas parce qu'il est chanteur. Mm-hmm. L'autre, il est derrière. Il écrit, il compose, il émeut. Après, bon, tout à l'heure, on a parlé de Grouabé, de Lkobé, on l'a fait en musique. Enfin, il n'y a pas de problème. Mais on a oublié qui les a fait. Pourquoi je fais le lien? Parce que bon, moi aussi, je vois. Le texte est important, bien sûr. Franchement, je voulais faire la musique. Mon directeur artistique, il est là. Il me dit, Klouas, ma nafna rani jouer en 2007. Allez, on est professionnel, on va voir les gens. On va voir les gens, ils vont donner un avis. Donc voilà, on me présente Rélo, je vais le voir. Il me dit, écoute, t'as un terme de voix intéressant, mais il te faut du travail. Et t'as travaillé. Bon, il me le dit toujours, hein, parce que bon, qu'il est qui croit que la vérité généralement. Donc oui. Il me le dit toujours. Donc je voulais remercier tous ces gens-là, sans qui, moi personnellement, je ne serais pas là. Bravo. On leur dit bravo ce soir. Merci surtout. Eh bien, bravo et merci, messieurs, ce soir. On a dit Khairuddin et Omar. Ouais, ces gens-là, ouais, ils vraiment, sont là vraiment, ce soir pour toi. Vraiment, vraiment. Ces gens-là, ils ont vraiment contribué grandement bravo. À Zaki Project. À Zaki Project. Et sur le duo, Jamil, je suis. Bien sûr. Là, il t'a complètement oublié, il t'a zappé. Il t'a zappé. Non, franchement, c'est. C'est le coup de gueule de Zaki Mehoubi, ouais. On non, le comprend. Et franchement, bravo, casquette. On continue tout de suite avec de la nostalgie, hein, et toujours avec Amal Zahi. Tout de suite, le jingle nostalgie avec le titre de Jam. Alors, ton titre Nostalgie, Jam, on le disait il y a un instant, c'est un hommage à Amar Zahi. Exactement, on enchaîne qui m'a Dar Zaki. Donc, c'est une chanson que j'ai déjà chantée auparavant. Et là, on a fait une petite réadaptation à la fin. D'accord. Ce que j'aime chez Amar Zahi, c'est. Je trouve que vraiment, c'est un artiste, c'est un génie. Pour la musique algérienne. Donc, à chaque fois, quand j'écoute, c'est le Qada Dial ou la Mindak Laras, il n'y a jamais une version qui. Qui ressemble à l'autre. Ah, voilà. Donc à chaque fois, il y a des voix spéciales, c'est le moment. Donc, comme on dit en arabe, ibda'. Ibda' le temps حالي. C'est d'abord le seul hal, parce que le finnan, c'est quoi? C'est un hal, c'est une forme de transe. Ça veut dire qu'on triche. Si on sert la même chose au public, ça veut dire qu'il y a une triche quelque part. Il n'y a que les robots qui reproduisent la même chose, ou les cellules dans un corps. Mais après, un artiste, moi, je pense que. Il est plus crédible à chaque fois qu'il nous sert un morceau différemment. C'est pour ça que j'aime Jamil. C'est de la création de l'air, Amal Zahi. Ouais. Et merci pour les photos d'ailleurs tout plaisir. À l'heure. Moi, je ne savais pas qu'il y en avait. C'était un moment d'émotion, en tout cas. Ouais. Donc, je disais pour la chanson Hadia, Brani Gharib, j'ai osé faire une petite réadaptation à la fin et partager ça avec Zaki. Donc, je vous laisse écouter ça. On y va. Shukran. Anna Barani Ghrib dans Playlist Live, tout de suite. الوحش وجر كيف الليل مع النهار يدمع تسري في المطر اخدي مجريه اخدي مجريه اخدي مجريه عقلي بهواها راطر خلتني اخويا انا يا براني غريب لا انسى لاليا انا يا براني غريب انا يا براني غريب انا يا براني غريب حلم سال عليا
طلدر ولا لي طبيب توحش خيال الحبيب من هو غصن الرطيب نيراني مقدية نيراني مقدية نيراني مقدية باقي هايم وحدي غريب ما ولت لي ليا انا يا براني غريب حد من سال عليا انا يا براني غريب انا يا براني غريب انا يا براني غريب حد من سال عليا سامعين فيه الورد مع الياسمين واجب لونين معرقين سلبوني يا خويا سلبوني يا خويا سلبوني يا خويا اشكرها عن طول سنين مدامي في الدنيا انا يا براني غريب انزل عليا انا يا براني غريب انا يا براني غريب انا يا براني غريب لا منسى لاليا انا يا براني غريب يا براني غريب يا براني غريب لا من سال عليا انا يا براني غريب يا براني غريب يا براني غريب لا من سال عليا نشكر مصبوغ النيام مادام يحيى على الدوام نشرب كيسان من المدامة نرضى عالهمية أنا يا براني غريب أنا يا براني غريب أنا براني غريب لا منسى العليا سامعين الورد مع الياسمين وجبلونين معرقين سلبوني يا خويا انا يا براني غريب انا يا براني غريب انا يا براني غريب انزل عليا انا يا براني غريب انا يا براني غريب انا يا براني غريب لا منسى عليا الله يرحمك يا شيخ
Ah, c'est un truc qu'on a fait juste pour vous, hein, sur Canal Algérie. Mali, j'ta yقولوا فينا يا الله ام المالي صلوا على نبينا يا الله ام المالي اشتا يقولوا فينا الله يا الله ام المالي صلوا عليه وزيدوا الله يا الله ام المالي يا اللي ديت سدور الله يا الله ام المالي وبصوم ردوا ليا الله يا الله يا زكي يا اللي ديت سدور الله ام المالي وبصوم ردوا ايوا يا ملي واش لا يقولوا فينا الله يا الله من الملك صلات على نبينا الله يا الله من الملك صلوا عليه وزيدوا الله يا الله ام الملك عندي بحيرة الله أم الملي عندي بحيرة الله يا الله أم الملي مزربها بالنعناع يا الله أم الملي مزربها بالنعناع الله يا هواه واش تقولوا فينا أم الملي صلوا على نبينا أم الملي واش تقولوا فينا الله يا الله أم الملي وصلوا عليه وزيدوا الله يا الله مالي ولندلوسي فجي الله يا الله من المالي الله يرحم الباجي الله يا الله من المالي وقلبي باهي باهي الله يا الله المالي شيخنا عمر الزهير الله يرحمه Bravo, 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 bravo à vous. Mounia, nous devons nous arrêter. Ah non. Nous devons nous arrêter. C'était magnifique, franchement. C'était impeccable. Bravo, 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 musicien. Encore une fois. En tout cas, c'était exceptionnel. C'est de l'improvisation. C'est de l'improvisation. Vous étiez à l'aise. Vous êtes chez vous, hein. C'était magnifique. Alors, qu'est-ce que vous nous avez improvisé, là? C'était la deuxième partie qui m'a dit Irtijal. C'était un peu de l'improvisation, partir sur Hua, il t'inspire le moment. Et à la fin, comme si Rana Fares. On a vu qu'il n'y avait personne qui dansait, on s'était dit pourquoi continuer. J'aurais aimé danser, mais j'ai des talons. J'ai des talons. Ah, je des baskets, peux pas. Il faut les baskets. Il faut les baskets à tout prix. Hein? Alors, on continue avec d'autres chansons, d'autres titres. On avait parlé de Dinar. On a parlé de Dinar. Déjà, le bar, Dinar, je la joue un peu ergada ou avec un gros son, distorsion et tout. Avec cette formation, il y a eu une inspiration, le bar, la répétition. Donc, l'abnaha, je suis à. كيفاش درناها زكي راي شغل انا نورمال البلاوي الهواري ها هي صح شغل ان تروك رايح ان تروك اوغاني بيان انغوبي بيان كيفاش نقولوا سموثي C'est pas du rail, moderne, très gros son, genre. Non, c'est un rail ancien. Moi, j'adore dire. Berbari. Iberber. Iberber. Ça va groover aussi, ça va bouger. Pas trop. On a une fois le groove, هذاك تاع زوج وحبه.
D'accord, j'ai pas compris. Mais il n'y a pas qu'à y faire, moi. Voilà, alors, dis, allez, tout de suite, on continue. On enchaîne avec Braya dans Playlist Live. Dinar. Oh, Dinar. Oh là 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 là. Ben voilà, j'ai raté mon intro. مشروعي في السوهية بغت اللوكس وانا بلا صور دي ايه وانا بلا صور دي ودي ودي شمرا كوشي وزيد البلازما اش دي سايسي على الكريدي كاميرا مبلاندي كاميرا مبلاندي يا ودي يا ودي هذا فايش دون صوتي يحمل لي نصا وكرات مص بيها غادي اون بيها ياسي يا ودي شيغلة يا سطار وراي شعلة النار واللي حب يدير الدار يزم له دينار 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 يزم لك دينار 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 يزم لك دينار دينار ودينار دينار دينار يزم لك دينار دينار ودينار دينار دينار يزم دروس خصوصية ويزم لك صور دي أو يزم لك صور دي يا ودي يا ودي غير الحسد والغيرة والناس فيها تعس وكرهت من هاد السيرة والعين تكودي يا والعين تكودي يا ودي يا ودي هادي الصدار راي شعلة النار يحب يدير الدار يزم له دينار 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 يزم لك دينار دينار يا زكي دينار 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 يزم لك دينار دينار يا معاد دينار 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 يا ويزم لك دينار دينار يا مهدي دينار 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 Oh,
Bravo, bravo, bravo encore une fois. Bravo, Dinar. Avec Jam et Zaki Mihoubi. Oh, Khiloui, ou la gare. Un bel canal, c'est très bien. Vraiment, c'est des moments. En tout cas, merci encore une fois à l'équipe. Khiro, on s'en les gens. Et retrait à la fin de la faute d'Yali. Ça m'a répété à l'heure de l'île. Et ça s'est bien passé. Ah, cool. C'était pas prévu. Ah, non, franchement, un texte. C'est pour ça que je me suis trompée, moi, tout à l'heure. Ah, oui, c'est ça. Voilà. Ouais. Donc, on n'avait pas prévu la chanson et ils ont décidé de répéter hier soir. Et finalement, ça s'est fait ce soir. Voilà. Alors, on parle de vos projets. Ouais, Zaki. Ouais. Tu parlais d'un projet avec Redine. Oui, écoute, avec Redine, on travaille toujours depuis que je le connais. D'ailleurs, c'est pas parce que je sens rien que j'ai rien, ça c'est faux. D'accord. Mais je travaille toujours et comme il est comme Jamie, il est très perfectionniste. Et lui, par contre, lui, il préfère prendre le temps que. Voilà, donc Jamie, il est que t'es motivé, dès que la pression. Ouais, mais dès que je fais la pression, je crois. Redine, dès la pression. On salue la salle. Anna, ce matin, en tout cas, l'exclusivité, qu'il y a un son qui va sortir, Inch'Allah. D'accord. Je veux cette exclusivité. Eh, Anna, spoiler, on la veut dans le playlist ce soir, tout de suite, oui. On est prêt, Khairuddin. Une autre exclusivité sur playlist. On est prêt? Ah, des vraiment pas prévu, garde brosque, on est encore. À toi de voir, je vais pas te mettre la pression, allez. Ah, j'ai envie de profiter un peu de Ça sera une nada. Surprise, d'accord, ok, ok. On va profiter de nada. Ok, on va profiter de nada. Ouais. Ok, Zaki Projet, ce sera pour après. Ouais. Mais tu peux au moins énoncer, tu peux au moins avec, nous dire. Bon, ce matin, hier, j'étais en train de parler à un très grand ami à moi, en tout cas en musique, bon, comme il n'y a pas... C'est rare, sont les grands amis en musique, d'accord. Vraiment. Ah, ouais. Je suis d'accord. Ça, j'ai oublié de le dire, Morbé. Ah, bah écoute, franchement, le plaisir est pour moi. Tu l'attendais? Non, mais si je voulais, bon, pour moi, les featuring, soit ça vient seul, soit c'est comme un peu, c'est comme les rapports entre amis, entre hommes et femmes et tout. Il ne faut pas forcer les choses. Ça vient la police. Ça vient, quand ça vient, ça vient. La musique, c'est du feeling. Ouais. Pourquoi se forcer? Ce n'est pas quelque chose qui nous oblige à être ensemble, film aussi, ou voilà. Mais avec Jam, franchement, c'est venu comme ça. Et avec Ayoub, ça va le faire aussi. Parce que Ayoub, lui et moi, c'est quelqu'un qui connaît à fond la musique algérienne. C'est quelqu'un qui connaît à fond les traditions Tana, les modes. Il est de Blabest, Talbaf Ndia, Yarf Mahboubati. Il connaît le Mahboubati à fond. Et donc, on a pensé à rendre hommage à Mahboubati. Je ne vais pas te donner le titre. Mais on va le faire. On va le faire, on va le faire. Donne-moi juste le titre. Mounia, donc il dit Ayoub Jahad, je vais l'harceler. Ayoub Sahel, oui. Bon, je vais laisser l'exclusivité à Ayoub. Laisse-le lui l'avancer. Je vais laisser l'exclusivité à Ayoub Jahad. Jam, après Nada, donc, tu prévois, je sais que tu es en train de travailler. Je suis en train de travailler sur plusieurs titres. Abakana, pendant le confinement à Dej, j'ai beaucoup bossé. Et surtout, il y a plusieurs connexions. Qui m'ont dit que Morbella, il y a une connexion. Avec la Palestine, oui. Avec Christine Zayed, ouais. Mm-hmm. Et il y a un autre titre aussi que je suis en train de préparer. J'ai revisité un Diwan Gnawa, mm-hmm. avec une façon un peu électro aussi. C'était avec Abdelaté qu'on a travaillé. Le titre, il est ficelé, mais juste on est en train de faire le clip. Et pour l'anecdote, en fait, ce titre-là, moi, je l'avais chanté en acoustique, je l'ai mis sur Internet. Et il y a un des musiciens sur Instagram qui m'envoient, que je ne connais pas, il est jeune, il vient de commencer, il m'a envoyé une version, c'est-à-dire il a travaillé chez lui, et j'ai trouvé que la version elle était vraiment superbe. D'accord. J'ai fait écouter Abdelhadi, il dit bon, allez, moi en tout cas je la valide, si tu veux qu'on en travaille dessus. Et on l'a mixé, masterisé, mais l'idée c'est l'idée de il s'appelle Rassim. D'accord, il s'appelle Rassim. Il s'appelle Rassim. Il est de quelle région? Il est de Tlemcen. Tlemcen. Donc ouais. Rassim, bonsoir et merci. Donc c'est pour très bientôt. Mais Zemet Lakenach, mais en tout cas, il m'a envoyé le son, on l'a mixé. Inch'Allah, très très bientôt, on est en train de, avec Caravan Factory, on est en train de faire le clip. Il est revenu au premier amour. T'as vu, hein? Eh bien, c'est une chanson que j'ai à l'époque, mes premières scènes. D'accord. Et t'as pas envie de donner, en vérité, tu nous fais languir. Ah, donc c'est normal, je comprends comme parce qu'une chef ouaf. J'ai partagé en fait le moment de la création sur Instagram. J'ai fait des lives vers
4h, 5h du matin. Donc, quand même, bizarre, les sont un peu la version à dire. C'est Lala Aïcha. D'accord. Version trap, avec un gros son et tout. Okay. Donc là, on est en train de travailler sur des images avec plein de couleurs et tout. Et ça sera le prochain. Et la sortie, titre. Vous la prévoyez quand? Dès que le clip. Moi, je n'ai pas encore de date, mais restez branchés. Sur Instagram, c'est Jam, DJAM, et Zaki Project. Et Zaki Project? Ouais, c'est ça. Officiel. Pareil. Officiel. Officiel. Il faut que ça soit écrit monsieur. Officiel. Ah. Il faut écrire officiel. Sinon, il n'y a pas. Pas officieux. Officieux, pas officiel. Zaki Mehobi, tu es également journaliste à la RAI. Ça se passe comment? Ça se passe très bien. Ça se passe super bien. Pour le moment, oui, ça se passe très bien. Et voilà. C'est dire de concilier les deux, entre être journaliste et en même temps artiste. Mais il y a quand même des répètes le soir. Ça manque le temps, on vers 4 heures. Pourquoi je l'aime à 4 heures? Parce qu'il y a voilà. Il fait la matinale. C'est vrai. 5 heures, il faut qu'on soit à la radio. Et bon, le stress et les journaux le matin. C'est rare que des. C'est un autre monde. Non. T'arrives à gérer ça? Un live, c'est un live. Sauf après, bon, pour informer et pour donner des émotions, c'est très différent, c'est tout. D'accord. Mais après, on est dans la communication, à mon avis. D'accord. Et dis-moi, tes filles, tes petites. Elles vont bien. Elles font de la musique? Ouais, elles sont super fans de Jam. Donne-moi les prénoms. Wissal, 5 ans. Rita, 3 ans. Rita. Ouais. Wissal et Rita. Bisous, voilà. Oui, ça les en direct. Tonton Zdeldel. Voilà. Oh, des minutes, ils ont mis les feux. FaceTime, on a chauffé, bien sûr, et tout. Mais oui, ça, qui est ma troisième année, mère. Ah ouais. D'accord. Ah ouais. Faire à Bzaf et puis Anda. Elles aiment bien. Tu as la musique, tu as le. Ah, des juifs, mais je vais te niche Bzaf, Khaled Khair. Voilà, donc elles donnent leur avis. Une fois, elle m'a dit, Wallah, quitte elle ou le Jamil. On partait à Naouya, on était en voiture, on écoutait toute la musique que j'avais dans la voiture. Fais-moi écouter ça, je donne pas de nom. Fais-moi écouter ça, fais-moi écouter celui-là. Bah, après, j'ai fini, elle m'a dit fais-moi la compile de Chap Khaled. Elle écoute Chap Khaled. Elle me dit arrête, j'arrête. C'était le moment du feu rouge. J'arrête toute la. Pourquoi j'arrête? Quand dit en fait, Chap Khaled dernier Khaled Menkoum Gah. Voilà, tout simplement, elle m'a dit d'une manière. Chaque caméra. Elle avait 4 ans. Elle avait 4 allez, ans. Allez, on te casse. Allez. Elle m'a dit c'est sympa, hein, c'est bien ce que vous êtes, mais Chap Khaled dernier Khaled Menkoum Gah. Ah ouais, oui. Dit, okay, c'est le king, c'est le king du rail, on n'oublie pas ça. Raison. Allez, on revient vers Nada. Je vous propose de nous faire le live de Nada en direct. Hâte. J'ai hâte. Bah, moi aussi, et juste un dernier clin d'œil pour Nada. Oui. C'est qu'on a oublié en fait que la première idée de Nada. Pourquoi on voulait faire une chanson ensemble? Parce qu'il y avait Samir Abrahamia oui. qui nous a appelé. J'ai un concept de vidéo live que je vais mettre sur Facebook et les réseaux. Est-ce qu'il y a une chanson qui vous... Est-ce que vous avez quelque chose à me proposer? Ouais. Et c'est là où elle est venue. Donc je remercie Samir Abrahamia. Que... Donc s'il n'y avait pas Samir Abrahamia, tu nous as poussé à travailler. Non, Samira, merci Sam. Non, c'est là, ta caméra est là. Merci beaucoup Samir Abrahamia. Merci beaucoup. Même voilà. De loin, elle m'aide. Voilà, de loin. C'est ton ami, on le sait. Alors, je vous invite à partager avec nous c'est Nada. C'est la dernière chanson? Oui. Ah bah oui. C'est le dernier titre de playlist live. Bah, grave. Voilà, Nada en exclusivité, en live sur le plateau de playlist. ما بغيت منكم والو نادا خلوني في حالي بغيت نعيش قولها وحياتي وهبالو هادي حياتي ما تالونيش وما بغيت منكم والو نادا خلوني في حالي بغيت نعيش قولها وحياتي وهبالو هادي حياتي ما تالونيش ما بغيت منكم ما انا والو خلوني في حالي بغيت نعيش قولها وحياتي وهبالو هادي حياتي ما تالونيش وما بغيت منكم والو حالي بغيت نعيش واكلها وحياتي وهبالو هذه حياتي ما تسالوني ما عندي حاجة فيكم اشرح لي في القيل والقال هي اللي بروبلم اللي عرفتكم وانا باغي راحة البال اش عندي حاجة فيكم اشرح لي في القيل والقال هي اللي بروبلم اللي عرفتكم وانا باغي راحة البال وما بغيت منكم والو خلوني في حالي بغيت نعيش كلها وحياتي وبالو حياتي ما تسالونيش وما بغيت منكم والو خلوني في حالي بغيت نعيش كلها وحياتي وبالو هادي
حياتي ما سالونيش قلبي تسمح وتكويني ويا الحباب سيفكم طعنطوني وكا قلبي ناسك عذبتني وكا عيني دموعك هجرتني وكا قلبي تسمح وتكويني ويا الحباب سيفكم طعنطوني يا قلبي ناسك عذبتني وكا عيني دموعك هجرتني وما بغيت منكم والو نضو خلوني في حالي بغيت نعيش كلها وحياته وبالو هادي حياتي ما تسالونيش وما بغيت منكم والو خلوني بحالي بغيت نعيش كلها وحياته وبالو هادي حياتي ما تسالونيش منكم انا والو خلوني في حالي بغيت نعيش قولها وحياتو هبالو هادي حياتي ما تسالونيش وما بغيت منكم والو خلوني في حالي بغيت نعيش قولها وحياتو هبالو سي صا ما في ما تسالونيش وما بغيت منكم والو خلوني في حالي بغيت نعيش قولها وحياتو هبالو ما بغيت نعيش كلها وحياتو هبالو وانا راسطة ما تسالونيش ما بغيت منكم والو لا لا حالي بغيت نعيش كلها وحياتو هبالو هادي حياتي ما تسالونيش اي 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 جام سلدل سور كانال الجيري ميسيو دام Bravo pour la désannonce, Zaki. Bravo à vous encore une fois. C'était l'exclusivité ce soir. Nada dans Playlist. Le live est sur Canal Algérie. Bravo, Jamil. Bravo. Avec le dernier moment, on a dit deux fois tellement c'était. Bouclé, Nara, c'est ça. Même le clip était en train d'être bouclé. C'est-à-dire là, c'est on a repris. Encore une fois, merci à Snake pour ce clip. Franchement, magnifique clip. Magnifique, avec magnifique. Le clip, il a coûté juste de la bonne humeur. Voilà. C'est tout. Oulala, là là, Adema. Zéro budget. Ça n'a pas de prix, franchement, ça n'a pas de prix. De rencontrer des artistes communs, Hakash Roll, qu'on connaît tous les deux. Enfin, non, c'est son ami à lui, moi je l'ai connu grâce à Jam. Mm-hmm. Et la manière dont il a abordé le projet avec nous, on a l'impression qu'il. Il était dedans, complètement dedans. Et prêt. Jamil, il a eu la générosité de le laisser faire. Il lui a laissé une marge de manœuvre énorme, une liberté extraordinaire. Et du coup, on ne s'est pas senti seul, lui et moi. Il y avait Abdelhatef son, ok. Et l'image, Jamil, comme. Il est un peu maniaque sur l'image aussi. Donc heureusement, on est tombé sur des gens de confiance. Ça a fonctionné, ça l'a fait finalement. Merci. C'est ça. Allah pour cette émission en tout cas. Merci à vous. Merci Mounir. On arrive déjà à la fin de notre émission malheureusement. J'aurais aimé que ça continue et qu'on perpétue cette occasion-là de jouer en live sur scène. C'était très très important. Et l'été est là. Donc on est là pour ce public-là. Exactement, et ses téléspectateurs. Ouais. Alors, je voulais saluer avant de terminer nos musiciens. Donc voilà, on a Ilyas Aitrassi à la percussion. Ouh. Faisal Gawa aussi à la percussion. Bref. Khairuddin Mouaden au violon.
Et bien sûr, Silas Eitrassi au banjo, sans oublier Abdelati, Ben Mejbari, bien sûr, l'ingénieur du son qui s'occupe de tout ce son-là ce soir. Et pour toute l'équipe technique, la réalisation. Bien sûr, on y arrive. Merci beaucoup. À vous. Ouais. Un dernier mot avant de terminer, mes amis. Un dernier mot, merci pour cette émission. Avec plaisir. Ça a été un plaisir. C'est pas tout le temps qu'on vraiment se sent à l'aise pour une émission et vraiment valorisé. Ah, donc je te remercie. Merci beaucoup. Oui, avec Sahab, comment tu dis? J'ai fait l'effort, oui. Pour la part de Chabi, voilà. Merci, Zeki. Merci, Mounia. Merci à Jam. Merci à Canal Algérie, toute l'équipe qui est là pour nous et qui est au petit soin. Merci à Omar, à toute l'équipe de Jam, à Moued, à mes musiciens, à tout le monde, tout le monde. Et aimez-vous, aimez la musique. Franchement, c'est une belle solution pour s'en sortir. Et ta femme, t'as pas salué ta femme. Je vous le disais. Ma femme, mes filles, maman, mes soeurs. Voilà, tout le monde. Mes frères, ma famille, mes voisins qui m'adorent. Timo Ahmadi qui manque à l'appel ce soir. On les oublie pas. Ils sont de l'autre côté de la rive méditerranéenne. Bonsoir encore une fois et à très bientôt. Mahdi, alors, on arrive. On lui dit coucou. Oui. Ouais. Donc, vas-y. Voilà, Mahdi, je vous dis joyeux anniversaire. Ce n'est pas du tout son anniversaire. Voilà, bro, tu as ce que vous avez. Nous aussi. Alors, on arrive déjà à la fin de notre émission. Merci de l'avoir suivi. Je remercie le car vidéotechnique HD1. Merci aux techniciens. On se retrouve très, très, très bientôt pour un nouveau live. Ciao. ما تبقاش بعيد دوس على الحديد نفرحو سوا تاريخ هذا فوق العدم بقاو كتبوه رجال بدم الشهداء مازال صفاف سما القيم باتري بالحيطان ونعيشو سعداء على وداوي ورخصتها الرقادة واسرى بالخير كيف العالم مريفة وحري حيك وجنابة لقى الخير وقام حصانة شعلنا قنديل في ضام الليل والعمر طويل وما جبزنا قليل وانا تقول احرار حكمة واصرار ومراح دار ما تكون صوار وادي الروح كابيلو باسي لي فرونتيير يا جميل يا دي الروح كابيلو باسي لي فرونتيير يا جبارة وادي الروح كابيلو باسي لي فرونتيير يا جميل يا دي الروح كلوكو باسي لي فرونتيير لسان واحد داوي بالحال عربية مازيغي صحرا وجبال شيوخ الصبيان نساو الرجال يوفي المداد وباقي ما يتقال عاشو الجدود وما خلاه وحدود انسى بحباب والاحفاد شهود فلسفة